Alléluia. Ouais, balandi ya magazine tolo bakaka na yeli susu liboso na bino parce que comme je l'ai dit tolingana soki mona na tchwa paza ko sale lokwa malamu to beta maboko soki pe osali mabe to dénoncer c'est ça l'objectivité mais soki monta osa malamu to kumisa tolo bakeno eza malamu tozo na fierté que nok suto moni mona na tchwa na biso moko mona na biso moko azako ko exceller na kanisi to kumisa yango. Donc, nazunga kimbala musu na lobaki problème ya revite sa vie, repenser à nos villages et à nos territoires. Tokanisa lisusu, re, c'est-à-dire encore une fois, tokanisa ba village na biso lokolanga na mutabolukutu, mpe na territoire nanga bokungu. Donc, ezali vision chère ya maître Guy Luandomboyo, oyo ke lelo lisusu nazui ba image. Il va de l'avant avec cette vision-là. Donc, c'est une fierté. Pour la je pense que Pancras Bongo a comme ministre ce qui est des ce qui je sais pas et aussi Willy Bakonga nanini bon ya comme nan Guy Luando a comme ministre aménagement et territoire pour nanini tête tous sangala mba musu pe tout monde que non au moins na biso yeyo pe a comme premier ministre et vous avez cinq pété bande ko langa et vous amalam pour na biso c'est la fierté de la Tchouapa ya biso la province de la Tchouapa alors tous à la bateau oh na zo mona na ba groupe na ba WhatsApp, les gens s'insultent, les gens font n'importe quoi. Ça, sincèrement, c'est la bassesse d'esprit. Mais, moutona libre cause à l'obédience na yeme. Tout ce qui est de la Tchouapa, au moins, mon Tchouapa, au sala, madame, to beta ma boko, ton dima. Revite, c'est un grand projet. Un grand projet. J'ai eu le temps, yako solo la koye, ba, qu'est-ce qui se passe dans ce projet-là? C'est bénéfique. Et qu'au faciliter, exode rural et à la lissou souté. Ça, c'est très beau. Talandeng mboka et sili batoua tout Kinshasa. Mais ce qui m'a eu vision à Pessi gouvernement, Ndimi, Pessi Yango, Batoba Zonga, Tabande qu'on a bisou de Bao souffrir na Kinshasa. Vi moka kabo. Mais ce qui est zongi na mboka nao. Mais c'est très bien, non? Alors, avant de continuer, mouke, Tozonga nano, Tolanda nano, sur image, Oyo, Maître Guy Luandomboyo, Alubaki devant un journaliste, un confrère. Votre rendez-vous ce vendredi. À peine entré, vous avez eu l'assentiment de la société civile qui vous a adopté assez facilement. C'était quoi votre solution miracle? Il n'y a pas de miracle. Ma philosophie, il faut rendre ce processus de la réforme le plus participatif possible. Il n'y a pas que les documents de la politique, il n'y a pas non plus que la loi, mais il y a également autant d'autres instruments qui devraient être mis en place. Qu'en est-il aujourd'hui de ces instruments? Maintenant que le dialogue est repris avec les partenaires, notamment CAFI, maintenant que l'évaluation a déjà eu lieu, à la satisfaction évidemment des partenaires, je crois que les moyens qui seront mis à notre disposition, nous pourrons beaucoup avancer beaucoup plus rapidement possible. En dehors du financement que nous recevons de partenaires, le gouvernement aussi doit mettre des fonds à la disposition du processus de la réforme. Et aujourd'hui, j'ai la joie de vous annoncer que le gouvernement finalement va débloquer, dans le cadre de la réforme, les fonds appropriés. Cette enveloppe est de combien? C'est pas un secret. J'aime pas trop parler des chiffres. L'aménagement des territoires aujourd'hui se gère au niveau national. Les différentes lois, même la constitution, donnent plus de prérogatives aux entités territoriales décentralisées, aux provinces. De quelle manière impliquez-vous ces entités? Je vous informe que dans les jours à venir, moi-même, j'ai décidé, avec l'autorisation du chef de l'État, du président de la République et du Premier ministre, de me rendre dans quelques provinces de la République. Question de nous rapprocher encore davantage pour avoir un aperçu évidemment très très clair de la gestion de l'aménagement du territoire. Et j'aurai certainement l'occasion d'échanger avec les administrateurs du territoire, avec les chefs de secteur, avec les chefs de groupement, avec les gouverneurs de province, avec les députés provinciaux, avec les responsables exécutifs provinciaux.
Quelle serait votre perspective lorsqu'il y a par exemple un terrain où on retrouve à la fois les hydrocarbures, les mines, la biodiversité? Mais est-ce qu'il y a-t-il des mécanismes assez particuliers que vous allez mettre en place pour justement arbitrer? Il y a les comités interministériels qui vont mettre autour d'une table selon les séquences et les périodicités qui seront déterminées pour faire des arbitrages à chaque fois pour éviter les conflits déjà en amont. À suivre sur Enviro News. Alors, tozongi susu awa bandeko nangai tokumisa ozali projet munene na biso, projet munene munene ya biso. Donc nzamba pambola bino na yaki bolanda yango oyango boza ndenge zali wana. Maître Guy Luando Mboyo nde abimisi revite yango wana. One lwenda nsoso David Bolombeli landu iselumbu nsoso lwenda nsoso falata manene melwela lochwesi. One lwenda nsoso le coq soso a mobali. Merci.